Des Goma en exclusivité, c'est Congo Live. Télévision, nous recevons M. Sinzaïra Jacques. Bonjour Jacques, bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste. Parlez-nous, on est où précisément et qu'est-ce que vous faites ici? Au fait, on est au cimetière Macao, comme vous le voyez. Et c'est en mémoire, aujourd'hui, ça fait déjà 48 jours qu'on avait enterré nos frères, assassinés sauvagement par les contingents de la MONUSCO lors des récentes manifestations qui demandaient leur départ. Assassinés ou tués ou je ne sais pas comment? Bon, quand on dit assassinat, ça veut dire qu'il y a tuerie, ça veut dire on ne sait pas comment les qualifier. On ne sait pas comment les qualifier parce que c'est une désolation de voir une mission de paix qui venait de faire plus de 22 ans dans notre pays sans neutraliser aucun groupe armé. Mais pendant deux jours, ils ont été capables de tuer plus de 36 personnes en Nord Kivu. Et aujourd'hui, revenons d'abord sur les manifestations, parce qu'il faut rappeler que les manifestations ont eu lieu au mois de juillet, si j'ai une bonne mémoire. Alors, ces jeunes qui ont été tués, il réclamait quoi et qu'est-ce qui s'était passé? Relate-moi un peu. Bon, ça veut dire que après, comme je l'ai dit, après 20 ans, la mission des Nations Unies est chez nous. Et cette mission n'a rien fait pour les Congolais, pour restaurer la paix au Congo. Pourtant, c'est une mission importante au monde. Et la mission qui devrait restaurer la paix. Mais on égorge nos frères à Beni, on égorge en Djougou, on kidnappe à Massissi à Rutshuru. La mission de la MONUSCO est là et rien n'est fait. Après beaucoup d'actions, on a fait plusieurs actions, des sit-in à la MONUSCO, des sit-in au gouvernement pour demander le départ effectif de la MONUSCO. Mais rien n'a été fait. Voilà pourquoi la population en colère, on a lancé des appels à manifester, la population s'est manifestée. À Goma, il y a eu 4 jours de manifestations non-stop pour demander le départ de la MONUSCO. Alors, s'il faut revenir sur les faits, il faut rappeler que les manifestations, bien sûr, étaient pacifiques. Pourquoi, d'un coup, se sont transformées à des manifestations de colère jusqu'au point d'arriver, d'enregistrer, bien sûr, des morts? Au fait, il y a eu des débordements, bien sûr, mais en tant qu'une mission de paix, il ne devrait pas tirer à balles réelles dans la population, dans les manifestants pacifiques, sans armes, et ils ont assassiné nos frères. Qui a tiré? C'est les contingents de la MONUSCO. Ils ont tué nos frères, ils ont assassiné. Donc ça veut dire que lors de débordement, la MONUSCO n'a pas su contenir. Ils ont commencé maintenant à tirer. Ça veut dire des balles réelles. Ça veut dire que la MONUSCO a un autre plan dans notre pays. Ça veut dire la MONUSCO s'était défendue et dire que les manifestants étaient armés aussi, comme on a vu à Boutembo. Si les manifestants étaient armés, on devrait aussi enregistrer des morts au sein des contingents de la MONUSCO. Il y a des morts, par exemple. Il n'y a pas eu de morts. Ça veut dire, s'il y a eu des morts, ça veut dire qu'il y a eu des dérapages. C'était à Boutembo, mais nous ici, c'est à Goma. On commémore le 40e jour de Goma, mais à Boutembo, il n'y a pas eu de dérapage parce que la population a répondu après avoir assassiné 4 personnes. C'était cette colère-là que la population s'est mise maintenant
a répliqué en fait. On ne sait pas si c'était la population ou c'était une infiltration au sein des manifestants pacifiques. Mais voilà ce qui s'est passé à Butembo. Mais entre-temps, à Goma, là où ils ont tué plus de 19 personnes, ça veut dire qu'on ne dira pas que la population était armée. La MONUSCO, on l'a compris que c'est une mission criminelle. Et aujourd'hui, on ne veut plus de la MONUSCO chez nous. Avec tout ça, on ne saura pas voir tout ce quoi et accepter que la MONUSCO reste chez nous. Alors c'est quoi l'événement aujourd'hui, samedi? Au fait, aujourd'hui, c'est le 40e jour. Là, on est ici au cimetière pour entretenir les tombes. Ouais. Et après ici, on pourra se recueillir quelque part vers 13h pour encore rendre hommage à ces vaillants que nous on considère héros de la liberté, héros de la démocratie. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes à Macao pour commémorer ce 40e jour. Et ainsi, tous les mouvements sont réunis, tous les militants, pour redorer encore une fois l'image de ces vaillants qui ont péri lors des manifestations, parce que c'était des manifestations de paix. Nous, on réclame qu'il y ait la paix. Parce que la MONUSCO étant ennemi numéro un de la RDC, si la MONUSCO quittait notre pays, on aura la paix durable en RDC. Merci. Nous vous remercions. Maître Jimmy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On est où et qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes à Macao, cimetière Macao. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 40e jour depuis qu'on avait assassiné les compatriotes lors des manifestations contre la MONUSCO à Goma. Et donc, nous sommes venus, n'est-ce pas, faire des travaux de Salongo sur les tombes de nos compatriotes qui étaient partis ce jour-là, qui sont les victimes de la MONUSCO, une manière de nous rappeler de ce que la MONUSCO a fait pour notre pays, contre notre peuple, une manière de nous rappeler de nos frères et de venir, n'est-ce pas, leur dire que nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas accepter qu'ils meurent gratuitement, nous n'allons pas accepter que leur mort soit considérée comme une perte inutile, sans issue et sans résultat. Voilà pourquoi nous sommes venus, comme de coutume, en tant qu'Africains, commémorer ce 40e jour, commencer par leur tombe, essayer de faire de la propreté, mais une manière aussi de nous reconstituer moralement et psychologiquement, parce que d'ici là, nous allons reprendre les manifestations jusqu'au départ de la MONUSCO. Vous n'allez pas accepter que vos amis partent gratuitement, c'est-à-dire vous allez faire quoi? C'est-à-dire nous allons venger leur mort, patriotiquement parlant. Ils sont morts dans une lutte qui est connue de tous. Ils sont morts pour dire à la MONUSCO de partir. Ils sont morts dans des manifestations que nous avions, n'est-ce pas, dénommées Bye Bye MONUSCO. C'était une campagne et elle est toujours en cours. Vous le savez très bien, nous avions un peu suspendu les activités ou soit les manifestations en attendant de commémorer d'abord les 40e jour de leur décès, de leur assassinat. Ils ont été assassinés par la MONUSCO, il faut le dire, parce que la MONUSCO qui était venue pour protéger les civils, voilà, elle a tiré sur les civils. Voilà qu'il y a plus de 10 tombes des victimes de la MONUSCO. Et si donc, monsieur le journaliste, c'est pour nous une manière de nous reconstituer. Nous allons relancer les activités et nous allons revendiquer le départ effectif de la MONUSCO. Mais également, nous arrivons ici, nous constatons ce qui ne va pas. Tenez, lorsque nous avions eu l'encre, nous avions pris l'encre avec le gouvernement provincial, avec les autorités du gouvernement central à Kinshasa. Par rapport à cette situation, ces autorités de Kinshasa nous avaient confirmé avoir laissé à Goma des moyens conséquents pour prendre en charge les obsèques, pour prendre en charge tout ce qui va avec. Nous avions tenu une réunion avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire. Il nous a rassuré que nos amis seront dignement enterrés. Les cérémonies s'étaient bien passées, nous sommes conscients. Mais cependant, la promesse de construire ces tombes, d'y mettre des pierres tombales, n'a pas été tenue. Où est parti l'argent qui était réservé, prévu dans le budget pour construire les pierres tombales? Nous sommes en train de dénoncer ce détournement et nous pensons qu'il est temps pour le gouverneur de la province du Nord Kivu, si ce n'est pas lui, parce que ça ne peut pas être lui, ce n'est pas beaucoup d'argent,
de faire tout ce qu'il faut pour que ces services, ces quelques collaborateurs qui auraient détourné l'argent des pierres tombales de nos 13 militants qui étaient décédés, parce que dans le budget des obsèques, il nous avait été clairement signifié qu'il y a eu de l'argent réservé pour la construction de ces tombes par des pierres tombales. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exiger qu'on vienne mettre les pierres tombales sur ces tombes sans délai. On ne peut pas accepter que les Congolais, que certains individus puissent avoir jusqu'à, je ne sais même pas quoi dire, avoir un cœur jusqu'à détourner l'argent destiné aux obsèques, à la construction des pierres tombales. C'est vraiment, vraiment ridicule. Et nous espérons que le gouverneur Constant Dima va tout faire pour construire ces tombes ou bien pour mettre la main sur ceux qui avaient détourné l'argent destiné à la construction de cette pierre tombale et que dans peu de jours, en dehors, tout au plus une semaine, toutes ces pierres tombales, les pierres tombales seront placées sur ces tombes pour honorer finalement ces victimes du partenaire du gouvernement, la MONUSCO. Bonjour. Parlez-nous ce matin, qu'est-ce qui se passe ici à Macao? Nous sommes à Macao. Nous sommes des militants de plusieurs mouvements citoyens. Nous sommes venus nous recueillir sur le tombe de nos compatriotes que nous avons perdus le 25 et le 26 juillet 2022. Et ce sont nos compatriotes à l'occasion de la commémoration de leur 40e jour que nous avons organisé aujourd'hui. Nous sommes venus nous recueillir auprès de leur tombe pour essayer de rendre hommage à leur mémoire. Vous savez qu'ils sont morts parce qu'ils étaient en train de défendre la cause de notre pays. Et donc, nous sommes venus ici pourvu que nous puissions rendre hommage à leur mémoire. Alors, depuis lors, il y a le gouvernement, les Nations Unies qui avaient annoncé l'ouverture des enquêtes, mais jusqu'à là, en fait, qu'en dites-vous? Jusque-là, nous sommes là aussi pour demander à notre gouvernement de nous dire ou de nous livrer les rapports de cette enquête. Cette enquête, qu'est-ce qu'elle a dit? Quel est le résultat de cette enquête? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons dire aussi que nous sommes toujours en train de continuer avec les démarches de recouvrer ou d'exiger le départ de la MONUSCO. Vous savez que la MONUSCO est dans notre pays, il n'y a aucun résultat 22 ans après. Nous ne voyons rien comme un résultat, il n'y a aucune stabilité. Par contre, la réussite de leur mission était de vouloir augmenter des groupes armés qui font à mal notre population, des groupes terroristes qui continuent à se multiplier sur le sol congolais. Et nous avons vu le soutien de la MONUSCO à tous ces groupes-là. C'est pour cela que nous, peuple congolais, nous sommes en train de demander que le peuple, que la MONUSCO puisse sortir de notre pays. Et cela que ça soit dans l'immédiat. Et en plus de cela, nous sommes en train de demander à notre gouvernement. Vous savez, le président de la République a demandé à ce qu'on puisse réviser ou revoir le calendrier du plan de sortie de la MONUSCO. Jusque-là, on ne nous a pas encore publié le rapport de ce calendrier. Parce que nous voulons voir ce rapport et savoir à quelle date on ne verra plus les casques bleus sur le sol congolais. Ce que nous demandons au gouvernement congolais, nous voulons voir les rapports de ce calendrier que le président de la République a demandé que ça puisse se faire et surtout nous voulons le voir étant une durée très courte laquelle on ne verra plus un seul contingent de casques bleus sur le sol congolais. Alors vos concitoyens sont morts mais la MONUSCO elle est toujours là, c'est quoi la suivante étape? En fait nous sommes en train d'organiser, aujourd'hui nous avons fait nous sommes en train de faire le 40e jour, la commémoration de leur 40e jour. Et après cela, nous allons lancer maintenant des activités de grande envergure comme nous l'avons promis. Et ça sera l'occasion de recouvrer et obtenir le départ de la MONUSCO sur le sol congolais. Nous ne voulons plus voir un seul casque bleu sur le sol congolais. Merci beaucoup.
Bonjour madame. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici ce matin? Parlez-nous. Nous sommes ici parce qu'aujourd'hui c'est les 45 jours de nos compatriotes qui ont été tués par les casques bleus de la MONUSCO, les jours de marche, des manifestations anti-MONUSCO du 25 jusqu'au 27. Vos amis ont été tués, mais la MONUSCO est toujours là. Oui, oui, mais nous avons fait un grand travail parce que la MONUSCO a déjà quitté Butembo et nous espérons, avec la lutte que nous menons, même à Goma, ils vont quitter. Et pourquoi vous continuez à demander aux autorités congolaises? Nous demandons aux autorités congolaises de se prononcer pour nous donner le calendrier qui définit le départ définitif de la MONUSCO. Parce que nous trouvons que la MONUSCO joue une grande complicité avec les groupes armés. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Niangali et Joyeux. Quelle fonction on a chez Mekcho Niangali? Ah ok. D'accord, vas-y. À l'occasion du 40e jour de la mort de nos amis qui avaient été tués dans les manifestations anti-MONUSCO, nous avons décidé aujourd'hui de venir effectuer des travaux d'entretien de leur tombe. C'est un acte de rappel, mais aussi pour honorer leur mémoire. C'est pour ça qu'on est ici. On est là en synergie de tous les mouvements citoyens de la province de Nord-Kivu. Et c'est comme ça qu'on a organisé ça. D'abord, il était prévu qu'on vienne sur leur tombe pour l'entretien et qu'après, on aille célébrer, on aille commémorer leur 40e jour au niveau de la salle vers Majengo. Malgré le décès de vos amis, la manipulation de la MONUSCO, elle est toujours là. Qu'est-ce que vous en dites? On le savait bien, on était préparés. Si le plat psychologique, on savait que la MONUSCO ne partirait pas d'un coup. Mais on n'a pas lâché les combats. Parce que c'est un combat de longue haleine. Et nous insistons jusqu'à aujourd'hui que la MONUSCO doit quitter le sol congolais parce qu'elle est inefficace. On ne voit pas la contribution de cette force multilatérale au niveau de si le plan sécuritaire dans notre pays et surtout ici à l'est de la République de l'Ouest du Congo. C'est pourquoi nous, en tant que synergie des mouvements citoyens, nous continuons à insister que la MONUSCO doit partir de notre province. S'il y en a d'autres provinces qui sont d'accord avec la présence de la MONUSCO, ils sont libres. Mais nous, au Nord-Kivu, en tout cas, on n'est pas pour le maintien de cette force. Merci. Maman, tu es laissé, pourquoi nous croyons pas? Nous croyons pas, je suis à Koukou, à Fagui, à Kabouri, à Mtotoang, Serge, à Mbaye, à Léouawa, à MONUSCO, je suis à Koutetea, haki yake juu MONUSCO irudi kwao. Alienda manifestation na wengine wakampiga masasi, MONUSCO ikampiga masasi akakufia kule. Njo leo ni karandie mjuru yake, niko hapa juu ya kukumbuka siku yake ambayo aliofariki. Sasa tunaendelea omba nini, sawa mzazi, unaomba nini serikali ya Kongo iwasaidie na nini? Mimi kungambo yangu mimi naomba serikali yetu ya Kongo iobligé MONUSCO irudie juu batoto wetu basikie isha juu ya kutetea inji. Juu MONUSCO ni bageni huku, kama mwenye nyumba anachukia moto, inafaa weye mgeni wa nyumba unarudia kwako. Njo mimi naomba serikali yetu ya Kongo itusaidie MONUSCO irudie. Na depuis le gouvernement de Simbaka joue ya manquete, est-ce que chaque pia kubaona atanye pour famille ili babambie ngisi batoto baliuawa? Bon, kungambo ya serikali yetu ukia tuona, mie kungambo yangu si ya baona, meba litusaidia kakuzika watoto yetu. Na kwako ukiona siku hizi naisha, mtoto umuone kunyumbo na shisikia na muna gani? Mina sikia uzuni kabisa, mina uzunika sana,
Juu mtoto nilikuwa nikimtuma kila siku. Kama niko na kazi mimi namtuma, mesa niko atafuta kutuma. Mimi namkosa, sina mtu tena wa kunisaidia. Kila siku mimi nashindani kualia juu ya mtoto. Asante sana, pole sana. Bonjour madame. Bonjour. Parlez-nous pourquoi vous êtes là ce matin? Non, nous sommes là. Nous sommes venus entretenir les tombeaux de nos camarades que nous avons laissés le jour de la marche anti-MONUSCO dans la ville de Goma. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous continuez à demander? Nous demandons toujours le départ de la MONUSCO parce qu'on ne peut pas accepter nos camarades mourir comme ça. Et que ce que nous faisons maintenant, là, nous faisons les salons aussi les tombeaux. Et c'est quoi la suite de la lutte? La lutte s'est arrêtée ou bien vous allez poursuivre? Ça sera comment? En tout cas, la lutte continue parce qu'après ici, nous aurons au moins état là de planifier comment on doit faire encore la lutte. Si pas le lundi, on aura quelque chose à dire comme un point de prince pour continuer toujours la lutte. Alors, il y a peur que le gouvernement avait annoncé l'ouverture des enquêtes pour diligenter. Qui a tiré sur vos collègues et comment? Où en êtes-vous par rapport aux exigences pour en savoir plus suite à cette enquête? Jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien encore dit parce qu'au début, lorsque c'était encore chaud, le gouvernement tentait toujours de nous voir pour harmoniser avec eux. Mais après l'enterrement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une suite là favorable de la part de notre gouvernement. On peut dire que vous êtes abandonné par le gouvernement? Oui, c'est ce qu'on peut dire parce que jusqu'à présent, on n'a pas une suite favorable par rapport aux enquêtes qu'on voulait qu'on fasse pour qu'on sache qui a tiré sur nos camarades. Et qu'est-ce que vous demandez? Bon, du point de vue du gouvernement, nous demandons toujours que le gouvernement puisse attendre nos cris de libérer la MONUSCO, rentrer chez eux. Et pour la MONUSCO, vraiment, qu'il ait pitié de nous, qu'il puisse quitter notre pays, sa condition, même sa délai. Pourquoi vous demandez le départ de la MONUSCO? Nous demandons le départ de la MONUSCO parce que la MONUSCO est complice de notre malheur au Congo actuellement. Ils sont venus pour selon, et ils sont venus pour donner la stabilité au Congo, mais notre constat, nous avons constaté que depuis qu'ils sont là, le malheur continue toujours du jour au jour. Merci. Merci beaucoup.